Yo les lifters, yo les lifteuses. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment organiser, planifier votre stratégie d'attaque pour attaquer tous ces points faibles indésirables, histoire que vous soyez le plus complet possible. Suite à ma dernière compétition, j'ai analysé à fond avec des professionnels qui m'ont soutenu mes points faibles. Donc la conclusion est lombaires. J'ai les lombaires trop faibles par rapport aux cuisses. Donc en fait, quand je fais les mouvements, j'essaie de tout faire en cuisse. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut passer le relais au lombaire. Et lorsque je passe le relais au lombaire, comme elles sont faibles, entre guillemets, bien sûr, je tire des bras, donc j'essaie de rattraper avec le reste. Donc en gros, c'est comme si mon corps se mettait en mode survie et passe l'info à tous les muscles. Yo les gars, réveillez-vous là! Faut soulever la charge, s'en bat les couilles de la technique. Et là, putain, ça fout dans la merde ce genre de comportement. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer les points faibles, travailler bien comme il faut pour éviter que le corps passe en mode survie et se démerde comme il peut pour soulever les charges. Ensuite, l'engagement de mes trapèzes lors du deuxième tirage. J'utilise pas du tout la force de mes trapèzes pour soulever la charge, mais en fait, j'utilise la force de mes bras. Et ensuite, je me glisse le plus vite possible sous la charge. Donc, ce qui me pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'à l'épaule jetée, lors de la compète, j'ai pas réussi à bien me glisser sous la barre et à l'arracher. C'est pour ça que lors de mon dernier essai, la barre, elle m'a écrasé complètement les trapèzes. Donc, phase d'extension en utilisant les trapèzes. Et ensuite, dernier point faible, c'est tout simplement la fixation de mon dos. Donc ça reste les lombaires, mais c'est une globalité, c'est ma posture. Lors du démarrage, donc du premier tirage, je dois conserver au maximum une posture parfaite le temps que j'emmène la barre au point de puissance et pour ensuite passer le relais à tout le reste. Donc je dois travailler à fond tout ce qui est deadlift. Tous les deadlifts, mais pas d'une manière de powerlifter, mais plutôt de weightlifter. Donc j'en ai fait pendant la vidéo, au début de la vidéo. Et genre vers la fin, de toute façon, je vais vous balancer la routine d'entraînement. Donc je me suis focalisé sur ces trois points faibles. Et donc là, j'ai vraiment axé, vous allez voir, tous mes exercices sont vraiment optimisés pour que je me transforme en un gros bloc de solidité et pour que mes lombaires soient ultra solides et que je puisse vraiment envoyer le paquet au niveau du lever de charge. Donc cette routine là, je pense que je vais la garder tout le temps parce que je la kiffe. Franchement, je l'ai fait cette semaine, je l'ai bien kiffé et je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis organisé. Tout d'abord, je reste dans mon délire de lifter, c'est-à-dire je combine l'haltérophilie et le bodybuilding. Je tiens à rester esthétique et avoir mon volume musculaire. Donc, ce que je fais, c'est que je me donne une heure d'haltéro plus une heure de muscu grand max. Ça me fait des séances entre 1h30, 2h, ok? Donc, je commence par deux exercices de force pure où je vais recruter énormément mon système nerveux. Ensuite, je passe sur deux exercices semi-techniques. Donc là, ça va être sur des charges beaucoup plus adaptées. Ça va être, si vous voulez, un peu le délire d'un WOD CrossFit. Hein. Je vais enchaîner plusieurs répétitions. La charge va être modérée. Donc c'est comme si c'était un petit WOD. Mais bon, c'est pas du tout. C'est une comparaison que je vous donne. Mais donc c'est plus léger. Donc ça permet de faire de la récup active, le travail semi-technique. Ensuite, je place donc tout ce qui est renforcement, donc les lombaires par exemple, renforcement lombaire, sangle abdominale. Et ensuite, pour terminer, je fais de l'hypertrophie. Donc je m'organise comme ça au niveau de l'hypertrophie. J'ai pris le format push-pull-leg parce que ça me convient. Hein. J'aurais très bien pu créer un truc moi-même en mode pec, dos, épaule, bras, enfin vous voyez le délire. Mais bon, push-pull-leg, ça, c'est une bonne répartition qui me convient bien. Donc push-pull-leg, je les intègre comme ça. Je fais un jour spécial arraché, un jour spécial épaulé et un jour spécial jeté.
Donc le jour, le premier jour, donc push, ensuite pull et ensuite leg. Je place le jour des legs en hypertrophie lorsque je fais le jeté, parce que c'est là où j'utilise le moins, enfin je fais pas de flexion de jambes le jour du jeté, sauf si le premier exercice où je balance de l'overhead squat comme là je suis en train de faire, mais bon ça va quoi. C'est pour ça que quand je fais mon leg day, là ça fait 2 semaines que je fais ça, j'utilise que les machines. En fait comme je fais énormément de flexion de jambes déjà, et que je travaille ma force tout simplement, quand je fais un leg day en hypertrophie, je vais rechercher des postures plutôt assises. Toutes les machines que vous pouvez voir sur le marché, bah, je fais tout simplement du leg curl, extension, etc. Pour soulager mon genou. Parce que à mon niveau et à mon échelle, je m'entraîne 6 sur 7. Vous allez voir mon entraînement, je rigole pas, c'est super intense. Donc c'est grâce à mon expérience, hein, cette année d'expérience, qui me permettent là d'encaisser ce volume-là d'entraînement. Je vous déconseille, si vous êtes débutant, de faire comme moi. Ou alors vous pouvez faire comme moi, mais vous réduisez l'intensité. Ça veut dire qu'au lieu de faire 2 exos force plus 2 exos semi-techniques en début de séance, faites plutôt 1 exos force et 1 exos semi-technique. Voilà, adaptez le truc selon votre niveau. Il faut savoir que moi, cette semaine j'étais ultra fatigué de ma routine, mais bon, le point positif c'est que j'avais de très bonnes sensations et je sens que je peux évoluer avec cette routine là. Donc une fois de plus, le travail est à adapter en fonction de votre style de vie. Moi mon style de vie, mon travail, ensuite ma vie privée, etc. Est en corrélation avec mes objectifs physiques. Donc il n'y a pas de souci. Si je suis fatigué à la maison, c'est pas grave. Ensuite, je dors comme il faut, et puis la récup se fait toute seule. Donc, vous allez constater que je balance souvent des mêmes exercices, mais avec variantes, avec des petites variantes. Et en fait, moi, je me fais une base, une structure, et ensuite, je suis flexible dans mon entraînement. Ça veut dire que si tel jour, je me sens fatigué, je vais revoir mes charges de travail. Je vais pas m'imposer des charges de travail, je vais pas m'imposer une courbe de progression absolue. Je vais rester flexible. Je vais toujours chercher à faire des répétitions supplémentaires, à conserver ma posture au maximum malgré, malgré l'échec musculaire dans certaines situations. Je vais vraiment chercher cette progression-là. Et la progression au niveau de la charge, bah, elle viendra d'elle-même toute seule en fait. Il ne faut pas se foutre la pression, ça vient une fois que évidemment la technique est solide et que vous êtes en pleine forme, tout simplement. Donc, par exemple, hier, j'ai fait 3 x 3 à 170 kg au squat, alors qu'avant, j'avais jamais fait ça. Faut savoir que pendant longtemps au squat, je faisais que des simples, donc une rep, à partir de 160. Donc j'avais fait que 70 une fois, 180 une fois, 190 une fois, 200 une fois. J'ai jamais travaillé en volume une fois arrivé à 170 kg. Et hier, bim, j'ai balancé 170, une technique super propre, et j'étais super content. Et ça prouve que finalement, voilà, l'application de la technique, le sérieux, l'entraînement, bah, au bout d'un moment, ça paye et on évolue dans les charges et le physique suit derrière. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas se foutre la pression. Et ensuite, par rapport à la récupération, je prends 1 à 2 minutes grand max de récup. C'est vraiment au feeling, hein. Dès que je me sens prêt, j'y vais. Et très important, je ne vais jamais jusqu'à l'échec. Enfin, quand je vous dis que je vais chercher 1 à 2 reps de plus, c'est quand je m'en sens capable. Mais si je sais que je suis à 200%, je ne vais pas aller chercher 2-3 reps de plus avec une technique de merde, juste pour dire « ouais, j'en ai fait plus ». Non, 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 non. C'est la qualité qui prime avant la quantité. Et ça, vous le voyez dans tous mes exercices, l'exécution du mouvement et la base, c'est le plus important. La charge suit derrière si on travaille bien comme il faut, si notre technique est bonne, si on a la force qui est bien développée, ça suit derrière. Mais il ne faut pas s'amuser à tricher avec les mouvements, parce que d'une part, niveau stimulation musculaire, c'est la merde, et niveau blessure, c'est comme ça qu'on peut se blesser, justement en délaissant la technique au détriment de la charge.
Pour mettre en place votre stratégie d'attaque anti-points faibles, donc c'est simple, prenez une feuille de papier, vous marquez vos points faibles dessus. Et ensuite, vous faites une routine où vous allez envoyer de la fréquence d'entraînement, envoyer du volume d'entraînement, et vous allez tout simplement commencer vos séances par les points faibles, et ensuite finir la séance par les points forts. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi c'est vos points faibles et pourquoi vous n'arrivez pas à progresser dans ces mouvements-là. Donc à travers ça, évidemment, il y a une recherche à faire, une recherche au niveau de votre morphologie, de votre physionomie. Essayez de comprendre pourquoi tel truc ne fonctionne pas, etc. Et trouver une solution déjà de ce point de vue-là. Ensuite, voyez l'intensité de travail et l'exercice par rapport à vos objectifs et tout simplement, donnez-vous à 300%. Là, j'étais en train de balancer le petit squat, regardez-moi ça. Dos fixé, sans équipement, pas de genouillère, pas de ceinture, pas besoin parce que naturellement, je renforce ma sangle abdominale et mes tendons aux genoux sont renforcés et sont en corrélation avec les charges dont je suis capable de soulever. Donc voilà, par exemple, si je mets des équipements, oui, effectivement, je peux peut-être soulever 20 à 30 kg de plus, mais est-ce que mes articulations suivront derrière? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, par rapport, ça c'était une petite parenthèse, par rapport à l'entraînement, une fois que vous avez appliqué toutes ces idées-là que je vous ai transmises là, il faut y aller à 200%, c'est-à-dire que chaque entraînement est super important. Il n'y a plus d'excuses à trouver. Là, c'est vraiment vous et votre capacité à vous surpasser et à vous entraîner intelligemment. Donc voilà, je vous ai balancé un petit peu comment j'ai organisé mon plan d'entraînement et là, je vais vous l'expliquer. Donc, comme je vous ai raconté dans la vidéo, les deux premiers exercices, je les ai appelés haltéroforce. Ensuite, semi-technique, renforcement, hypertrophie. Donc là, j'ai mis que 5 jours d'entraînement, mais j'en fais un sixième qui est bonus en fonction de ma forme. Si je suis en forme, je le fais. Si je suis pas en forme, c'est pas grave, je le fais pas. Donc là, premier jour par exemple, je fais du soulevé de terre d'arraché, donc en prise d'arraché. Et là, les charges que j'écris, c'est les charges que j'ai balancées cette semaine. Si j'ai pas écrit de charge, c'est que j'ai oublié de le faire. Mais en tout cas, là, par exemple, soulevé de terre d'arraché, 90 kg, 5 x 5. Bim, ça veut dire quoi? Bah là, de toute façon, à partir de ce programme d'entraînement-là, je vais chercher la progression. C'est sûr que plus je vais être capable de soulever lourd au soulevé de terre d'arraché, plus je serai confortable lors du démarrage quand je vais faire l'arraché. Donc voilà, c'est cet objectif-là que je recherche. Ensuite, de l'overhead press en snatch, donc en prise d'arraché, donc en demi-flexion, donc pour travailler cette phase-là de réception, ok. Le high block snatch, pull, bon, j'ai des petits noms comme ça improvisés, version américaine, ok, mais je me comprends. Mais je vais vous le traduire là, vite fait, de toute façon. Et donc, c'est du tirage au... des plots, tout simplement, les plots qui te permettent de faire un énorme travail semi-technique, de prendre plus lourd. Et ensuite, un muscle snatch, donc c'est un arraché puissance, ou un arraché... Non, c'est arraché force, pardon, ouais, arraché force. Et voilà, vous voyez à peu près, bon, 40 kilos, etc. Bon, je vous laisse regarder le truc. Et voilà, donc en fait, je vais rester sur ces exercices-là de toute façon. Et je vais chercher la progression dans tous ces trucs-là. Et j'espère devenir balèze d'ici le mois de mai. Mais par là, ouais. Parce que c'est là où ça va être vraiment la guerre en individuel. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. On va avoir la mobilité et la souplesse. Restez connectés sur mes réseaux et je vous dis à la semaine prochaine.